Enfin arrivé au temple de l'espace, il n'y avait plus qu'à trouver une entrée. On ne savait pas ce que cette reine manigançait, mais il fallait absolument l'arrêter. Après avoir récupéré notre croisée en cap, il ne nous restait plus qu'à mettre un peu de désordre et à décamper.
C'est là que ça devient vraiment bizarre. Vous croyez que tout est réglé? Qu'on a battu la méchante? Qu'on a sauvé son peuple? Erreur! Mais pourquoi vous nous aimez pas? On voulait juste jouer avec vous, nous. Le peuple n'était pas content. On a vite réalisé que la reine n'était pas si méchante. Elle avait juste un faible pour Batman. Enfin, que ce soit clair, cette fille a de sérieux problèmes de communication. Mais elle ne voulait rien d'autre que la paix et l'harmonie. Et Batman. Mais elle n'avait absolument aucune mauvaise intention. En réalité, c'était Rex le méchant. Ça vous la coupe, hein? Avec son machisme de pacotille. Rex était le double d'Emmett, mais dans un univers alternatif. Comme une version d'Emmett qui aurait évolué dans un autre espace-temps. Donc, dans la version de Rex, Emmett s'est mangé un astéroïde géant. Et il s'est perdu dans les débris du système sèche-linge. Alors, il est devenu aigri. Il était oublié, égaré, forcé de regarder les autres jouer sans lui. Tout ce temps perdu à croupir au milieu des débris. Il a passé des semaines à essayer de se remettre debout. Et à force d'essayer, il a réussi. En fait, il s'est construit une machine spatio-temporelle qu'il a remplie de dinosaures. Emmett a changé de nom. Et à remonter le temps en se faisant appeler Rex. Son but, sauver son double du passé et faire de lui le dur à cuire qu'il avait toujours rêvé d'être. Et, heureusement, j'étais là pour vous sauver la peau. Il n'y a pas plus débrouillard que moi. Let it go, take a chance. I will show you how to dance. On the floor, lose control. You'll be moving like a dress. Hey! Feel the music all around. All around. Move your body to the sound.
Le cœur de Rex était trop amer, trop tourmenté. Il refusait de tourner la page. Malheureusement pour lui, Rex a cessé d'exister. Puisqu'Emmett est resté fidèle à ses principes, toute cette histoire avec Rex n'a pas pu avoir lieu. Oui, c'est compliqué, mais ça a un rapport avec le continuum espace-temps. Donc ouais, super! La reine voulait juste qu'on vienne faire la fête avec elle. Qui pourrait lui en vouloir? C'est vrai qu'on est tous super géniaux. Je t'aime.